Tech Mobilis. Bonsoir à tous et bien aujourd'hui, le ciel est resté plutôt dégagé sur la majeure partie du pays. On a noté un taux d'humidité qui a dépassé les 80% sur l'ensemble des régions côtières. Un ciel plutôt voilé, hein, notamment sur le Sahara oriental. Le temps pour demain, on notera de la brume en début de matinée sur les reliefs intérieurs et les Aurès. Et puis le ciel restera plutôt dégagé tout au long de la journée à l'ouest, au centre, à l'est du pays. Sur la partie sud, eh bien, ça ne va pas changer. Le ciel restera toujours voilé sur le Sahara oriental, dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de ce soir et pour demain matin, eh bien, elles varieront près des côtes entre 5 et 7 degrés. On notera minimum de moins 2 degrés à Batna, moins 1 degré à Al-Bayad, 3 degrés à Rardaya, 4 à Hassim Saoud, 5 degrés à Ilizi, 8 à Ain Salah et enfin 11 degrés pour l'extrême sud. Les températures de demain après-midi, eh bien, elles restent stationnaires avec sur la moitié nord 20 degrés à Alger, Oran, 21 degrés à Tlemcen, 15 degrés à Al-Bayad, 16 à Sétif, 17 à Batna, 18 à Guelma, 19 degrés à Rardaya ainsi qu'à Al-Rouat, Béchar, Hassim Saoud, Ilizi, Tanraset, Djanet et enfin 25 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'Europe pour demain. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert avec des averses à Budapest, Bucarest, Berne, Paris. On notera des passages nuageux à Londres ainsi qu'à Bordeaux et puis un ciel plutôt dégagé à Rome, Athènes, Marseille. Côté Mercure, on notera 8 degrés à Londres, 12 degrés à Paris, 17 à Marseille, 8 à Berne, 3 degrés à Prague, 7 à Budapest et enfin 16 degrés à Athènes. On termine ce bulletin avec l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne soirée avec la suite de nos programmes et à demain. La météo vous a été présentée par Mobilis.